Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bebois. Cette semaine, je me fabrique un établi pour recevoir ma scie sous table Métabo et ma défonceuse Métabo. Alors, j'ai réalisé quelques croquis. Je vous mets ça dans la vidéo. Vous verrez, c'est à la suite. J'ai reçu mes roulettes. Et là, cette semaine, on va pouvoir attaquer la structure de l'établi. Allez, c'est parti!
Bien, bon, comme vous avez pu voir, ça y est, rabot d'ego, c'est fini. J'ai mes chevrons qui font 80 par 80. Et maintenant, je vais usiner pour les assemblages. Alors là, j'ai le plan en vue éclatée de chaque pièce de bois. Je vous mets le plan en vue éclatée juste après. Pour les usinages, j'ai deux réglages. Donc, assemblage mi-bois. Ce que je vais faire, c'est que je vais entailler ici sur 40 mm de hauteur et là 80 ou sur du 40-40. Vous allez voir, on fera ça tout à l'heure à la scie. Ben, pourquoi? Cet assemblage va servir à différentes choses. Vous avez par exemple la jambe, vous voyez, ici, il est usiné sur 80-40-80-40, que je pose. Je viens ensuite mettre une pièce de bois qui vient dessus, comme ceci, qui vient se poser sur l'ensemble ici, d'accord? Et l'autre qui vient se poser dessus, comme ceci. Ce qui fait que, vous voyez, j'ai le premier élément, le deuxième élément qui va venir ici, et le troisième élément qui va venir recouvrir ici. Ce qui fait que là, je mets deux vis, une vis ici, c'est ensuite collé, et voilà, j'ai mon assemblage ici, pour la fixation. Vous voyez? Voilà. Allez, on va usiner ça tout de suite.
Bien, bon bah ça y est, la structure est maintenant terminée.
Donc, comme vous avez pu voir, j'ai fait des assemblages mi-bois. C'est super rigide, très très costaud, que je me mette n'importe où sur l'établi. Super rigide, c'est ce que je souhaitais, avoir une grosse rigidité pour l'ensemble de l'établi. Franchement, nickel. Bon, là, tout est terminé, tout au moins pour la structure. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la suite. Vous verrez, je vous ai mis une petite phrase au début de la vidéo. C'est les nouvelles conditions de YouTube. Même si moi, je ne touche à rien, mais alors, j'ai aucun sponsor parce que j'ai peu d'abonnés. Il n'y a personne qui me contacte. Mais je suis obligé de dire que peut-être j'ai eu une remise sur mon outillage. Moi, j'en ai pas eu. Hein. Mais bon, comme vous avez vu une marque dans cette vidéo, je suis obligé de mettre cette petite phrase. Je la mettrai dans toutes les vidéos pour être sûr qu'ils ne suppriment pas certaines de mes vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter pour classifier cette vidéo. Ensuite, partagez si ça vous dit et d'activer la petite cloche des notifications. Allez, à la prochaine. Ciao !